Bonjour à toutes et à tous, me revoilà avec une nouvelle recette, comme c'est bientôt l'Aïd. Aujourd'hui, je vous propose des petits gâteaux simples, rapides et surtout qui demandent très très peu d'ingrédients. Alors pour ces gâteaux, le nom c'est Boussou Latmsou, c'est des petits gâteaux algériens secs, aux graines de sésame et surtout bien fondants en bouche. Je vais juste vous montrer l'intérieur. Voilà, généralement il faut les servir avec du thé ou du café. Et c'est vraiment très très bon, surtout que c'est avec des graines de sésame grillées. Je vais d'abord commencer par vous présenter les ingrédients et ensuite je passe à la préparation. Alors, pour les ingrédients, il vous faut 150 g de graines de sésame grillées. Il suffit de les passer dans une poêle sur feu doux et vous les faites griller légèrement. 2 cuillères à soupe d'eau de fleur d'oranger. 250 g de beurre mou. Il faut bien le sortir la veille ou très tôt le matin. Du beurre doux. Voilà, environ 400 g de farine, 90 g de sucre glace et pour la décoration, il vous faut également environ 300 g de sucre glace. Ensuite, dans un saladier, il faut verser le beurre mou, le sucre glace, les 90 g. Et maintenant, il faut travailler le beurre avec le sucre glace 2 petites minutes. Alors, dès que vous obtenez une sorte de pommade, voilà, il faut incorporer la farine. Il faut le faire petit à petit. Ensuite, l'eau de fleur d'oranger. On augmente un peu la vitesse. Et pour finir, on incorpore les graines de sésame grillées. Vous pouvez le faire au robot, sinon vous pouvez très bien le faire à la main. Voilà la pâte que vous devez obtenir, donc une pâte un peu molle. Sur votre plan de travail, donc on prend un petit peu de pâte, voilà, et on forme des petits boudins comme ça. Pouvoir la découper après. Donc on essaie de leur donner une belle forme. Généralement, je les découpe en losange comme ça. Ensuite, il faut les disposer délicatement sur une plaque huilée, sinon avec du papier sulfurisé. N'hésitez pas à prendre une spatule pour les porter. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à les enfourner à 180 degrés pendant environ 15 à 20 minutes. Bien sûr, c'est selon votre four. Dès que les gâteaux sont légèrement durs, il faut bien les sortir du four et les plonger directement dans du sucre glace encore chaud. Je vais t'avoir beau ici. Mais oublie pas. Dès la sortie du four, il faut les plonger directement dans le sucre glace encore chaud. Juste vous montrer la couleur des petits gâteaux avant, donc ils sont légèrement dorés sur le dessus, voilà, et bien dorés en bas. Pour la décoration, j'hésite pas à saupoudrer le dessus avec un petit peu de sucre glace encore, voilà. Voilà pour ces petits gâteaux, j'espère que cette petite recette simple et rapide vous a plu. N'hésitez pas à la refaire chez vous et si vous avez des questions au niveau de la préparation, vous pouvez très bien me les poster sur ma chaîne YouTube. Je vous répondrai avec grand plaisir. À très bientôt, ciao ciao.